Venez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 3, un verset en particulier dans ce passage-là que nous allons lire, que j'aimerais regarder ensemble. 1 Corinthiens 3, et nous allons lire à partir du verset 10, et nous allons rendre jusqu'au verset 15. Ça nous dit pas, même on peut commencer au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Père, on veut te rendre grâce pour ta sainte parole. On te demande, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient ouverts et qu'on soit réceptifs et qu'on apprenne de toi, Seigneur Dieu, afin de te connaître davantage et de te ressembler de plus en plus. Notre désir, c'est d'accomplir ta volonté. C'est de faire ton œuvre et que ton œuvre s'accomplisse en nous. On te remercie au nom de Jésus. Le verset qui vraiment attire mon attention dans ce passage-là, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est au verset 10, la fin du verset 10, lorsqu'il nous dit « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Que chacun prenne garde. Et ça s'adresse à chacun de nous, comme ça s'est adressé aux gens de Corinthe. Nous avons, je crois, la responsabilité de bien bâtir. Et ici, Paul nous parle de la manière de bâtir, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dessus quoi? Sur le fondement, sur notre relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous tient responsables, il tient les gens de Corinthe responsables, et il nous tient responsables non seulement pour l'ouvrage, mais également les matériaux qu'on utilise. Ici, il dit, prenez garde à la manière, de quelle manière nous bâtissons. Est-ce qu'on l'a bâti avec la pensée que nous travaillons, nous faisons l'œuvre du Seigneur, ou est-ce que nous bâtissons pour nous-mêmes? Est-ce qu'on est simplement content d'avoir le salut en Jésus-Christ et ça s'arrête là, ou bâtissons-nous pour la gloire de Dieu? Et je crois qu'ici, Paul encourage les Corinthiens de faire attention, de prendre garde à la manière qu'on le bâtit. On sait que, frères et sœurs, notre œuvre dans le Seigneur n'est pas vain, n'est-ce pas? Il dit la même chose, il dit un peu plus loin dans la même épître, aux Corinthiens, il nous dit au chapitre 15 de 1 Corinthiens, au verset 58, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Et je crois que c'est la manière de bâtir sur le fondement. C'est de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas notre œuvre, mais à l'œuvre du Seigneur. Pas faire ce qui nous plaît, pas faire ce qu'on pense qu'on devrait faire, mais vraiment de s'attacher à l'œuvre du Seigneur et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres. Il nous a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions, afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Prenez garde à la manière de bâtir.
prenons garde à la manière qu'on bâtit. Et non seulement ça, mais également, prenons garde aux matériaux que nous utilisons. Est-ce que c'est de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, ou est-ce que c'est du bois, ou du foin, comme ça nous dit ici, ou du chaume. Des choses qui ont une valeur, hein, ou des choses qui sont vraiment sans valeur. Des choses qui ont une valeur éternelle, ou des choses qui ont des valeurs temporelles. Dans 2 Pierre, au premier chapitre, ça nous dit d'ajouter à notre foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La vertu et ces choses-là. Des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Ça nous dit de bâtir avec ces choses-là. Et je ne pense pas ici que Paul faisait référence à bâtir avec or, l'argent et puis des pierres précieuses. Mais il fait référence à ça comme dans le temple. Puisque nous sommes le temple de Dieu, dans le passé, c'était de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui étaient souvent utilisés pour orner le temple de Dieu, pour amener l'attention de la gloire et puis la grandeur de Dieu. Lorsque le temple s'est fait détruire en 70, c'est l'empereur Tite, justement, après avoir brûlé la ville et après avoir brûlé le temple, il avait ordonné qu'il enlève toutes les pierres pour aller chercher l'or qui avait été brûlé, qui avait fondu. Les pierres, ça, qui n'étaient pas précieuses, les pierres, les autres choses, ça s'était dissipé, ça s'était complètement éliminé. Mais ce qui était précieux était demeuré. Il a demandé qu'on aille chercher ces choses-là. Il est important de bâtir avec les bons matériaux. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit bâtir avec la grâce et la vérité. Jésus a emmené la grâce et la vérité, n'est-ce pas? Et ce qui devrait ressortir de nous, nos vies doivent être fondées sur Jésus-Christ. Et si elle est fondée sur Jésus-Christ, par exemple, ce qui va ressortir, ce qui est précieux, c'est la grâce de Dieu qui est venue par Jésus-Christ et la vérité. Mais le bois, le foin, le chaume, je mets ça en comparaison avec l'or, l'argent et puis les pierres précieuses. Je crois que ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est ce que Dieu fait. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies et c'est l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes invités, qu'on devrait travailler de mieux en mieux. Mais le bois, le foin et le chaume, par exemple, c'est au lieu d'être les intérêts de Christ, ce sont nos propres intérêts. Et c'est possible d'être un chrétien qui est sauvé, un chrétien qui connaît Dieu, et pourtant avoir des intérêts autres que les intérêts de Christ. Et c'est pour ça que je crois dans le contexte dans lequel il dit, il va venir un temps que ça va passer au feu. Le feu va éprouver. Et il y en a qui vont avoir une récompense, il y en a d'autres par contre qui vont pratiquement tout perdre, malgré que lui va être sauvé. Si on vit pour nos intérêts, frères et sœurs, il est certain qu'en bout de ligne, on va être perdant. On peut hériter du royaume de Dieu, mais pour l'éternité, on va être, on pourrait dire, il va y avoir des choses qu'on va réaliser. Wow! Il n'y a pas grand-chose dans mon coffre, qu'on pourrait dire. Parce que Jésus dit, ça m'en dit des trésors dans les cieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va avoir dans le coffre quand on arrive dans les cieux? C'est juste une expression. Je pense que littéralement, quand on avait un coffre, on n'a pas besoin de coffre parce qu'il n'y a pas de bonheur dans les cieux. OK. Mais regardez ce que Paul dit concernant Timothée comparé aux autres dans Philippiens 2, au verset 19, ça dit: j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui me concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Possible d'une personne qui connaisse Jésus-Christ, mais qui est
leurs propres intérêts à cœur. Même dans Philippiens 2, justement, il nous fait référence d'avoir les intérêts des autres à cœur. Il dit, il donne Timothée comme exemple. Ses sentiments, vraiment son cœur est pour vous. Il a les intérêts de Jésus-Christ. Si nous avons les intérêts de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous allons avoir les intérêts des autres à cœur, plus que nos propres intérêts. Souvenez-vous, lorsque Jésus parle justement du jugement à venir, il va s'asseoir sur son trône et il va diviser les boucs des brebis, n'est-ce pas? Et il va leur dire des choses. Il dit, quand j'étais malade, vous m'avez secouru. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Et ils vont dire, quand est-ce qu'on a fait ça? Quand tu l'as fait au moins de ces personnes-là. Et les autres vont dire la même chose. Quand est-ce qu'on t'a mis comme ça? Quand vous l'avez pas fait au moindre de ces personnes-là. Au moindre de ces frères. N'est-ce pas? Autrement dit, ces personnes-là avaient leurs intérêts à cœur plutôt que les intérêts de Jésus-Christ. Ceux qui ont été récompensés, c'est parce qu'ils avaient les intérêts de Jésus-Christ. On ne peut pas mettre prendre des valeurs qui sont temporaires pour bâtir. Des valeurs qui sont plutôt éternelles, c'est ce qui est important. Les choses de ce monde, frères et sœurs, sont éphémères. On les voit, ils sont là un moment, et un autre moment, ils ne sont plus là. On a vu à quel point les choses peuvent changer tellement rapidement dans le cours d'une vie, n'est-ce pas? Oui. Tellement rapidement. En 2020, mars 2020, les choses ont changé dramatiquement. Oui. C'était vraiment là, bout pour bout. Et il y a des choses qui vont encore changer encore plus rapidement, plus le temps avance. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit bâti sur le fondement et qu'on ait des choses de valeur éternelle. Des choses qui sont durables plutôt que périssables. Pourquoi? Parce que Paul aussi nous dit dans le Corinthiens qu'il va y avoir un jour où il va y avoir une inspection. Avez-vous remarqué, lorsque on a un bâtiment ici, et des fois ils nous appellent, ils nous disent, il va y avoir une inspection, les pompiers vont venir. On fait en sorte qu'on s'assure que les inspecteurs sont en ordre, le système d'alarme est en ordre, les choses de pompiers sont en ordre. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va y avoir une inspection. Frère et sœur, on est averti qu'il va y avoir un jour une inspection. Et cette journée-là, soit ça va être une récompense ou ça va être une réprimande. Il va y avoir des choses qui vont passer au feu. C'est soit que ça va brûler ou ça va demeurer. Notre désir, c'est que ça demeure, que ce soit des choses durables. Encore une fois, aux Corinthiens, Paul écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 5, il dit, il y a un temps qui va venir qu'on va tous passer devant le tribunal de Christ. Sans exception. Nous allons avoir à rendre compte pour le bien et le mal que nous avons fait dans nos corps. Ça veut dire pendant qu'on était sur la terre, on va avoir à rendre compte devant Dieu. Et je crois qu'on a des instructions dans la parole de Dieu de bâtir, de bien bâtir. Si vous voulez, on va tourner dans Psaume 1. Dans Psaume 1, verset 1, ça nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ici, je crois qu'on a un aperçu comment ne pas construire, comment ne pas bâtir, comment est-ce qu'on peut éviter la manière de bâtir qui n'est pas acceptable devant Dieu. Et ça nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Lorsqu'on porte attention, frères et sœurs, au conseil des méchants, il est certain qu'on n'utilise pas et on ne bâtit pas de la bonne manière. On ne bâtit pas de la bonne manière. Le conseil des méchants, c'est quoi? C'est qui? Qui donne les gens qui sont vraiment comme, on va dire aujourd'hui c'est l'Halloween, qui sont vraiment méchants comme à l'Halloween, qui se promènent avec des faces toutes défaites et puis des costumes qui sont démoniaques. Le conseil des méchants, frères et sœurs, je crois, est beaucoup plus.
plus subtil que ça. Ça, c'est évident. Une raison pourquoi je ne parle pas de l'Halloween, et si on est assez âgé dans le Seigneur, je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que l'Halloween, c'est méchant, c'est mauvais. Mais par contre, il y a des choses qui sont tellement subtiles que les gens ne réalisent pas que c'est le conseil des méchants. Toute personne, frère et sœur, qui rejette le conseil de Dieu, qui rejette la parole de Dieu, c'est un conseil de méchant. Dans le psaume 50, on le voit, c'est très clair. Le Seigneur adresse les méchants et il dit, vous prenez ma parole dans vos bouches, vous prenez ma loi dans vos bouches, et pourtant, vous jetez la parole derrière votre dos. Et c'est ce que le Seigneur considère comme étant méchant. Et je crois que ça, c'est la subtilité de la méchanceté, du conseil du méchant. C'est que par en arrière, il détourne de la parole de Dieu. Et il faut faire vraiment attention. Est-ce qu'on écoute le conseil des méchants ou nous écoutons le conseil de Dieu? Chose que l'on doit porter attention. Allez dans 2 Chroniques, juste pour vous montrer comment est-ce que les conseils peuvent vraiment affecter une personne. On connaît Josaphat. Josaphat était un homme de Dieu, un roi qui était un homme de Dieu, qui aimait Dieu. Mais il a fait des choses parfois qui ne plaisaient pas nécessairement à Dieu. Et je crois que ça a affecté sa famille avec le temps. Dans 2 Chroniques 2, au chapitre 21, c'est 2 Chroniques 21, excusez. 2 Chroniques 21. Hein? 2 Chroniques 21. Ça nous dit quelque chose. Josaphat se coucha avec ses pères au premier verset. Et que son fils Joram régna à sa place. Okay? Et puis, ça nous dit au verset 3 que leur père Josaphat avait donné à ses fils, à Joram et à ses frères, qui sont mentionnés au verset 2, ça nous dit leur père, au verset 3, leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux. De quoi pour bien bâtir, de quoi qui. De valeur. Okay? Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Des fois, on veut suivre la parole de Dieu et on pense que okay, le premier-né devrait avoir l'héritage primaire. Mais par contre, on ne faut pas négliger ce que Dieu demande également. C'est que ce fils-là n'était pas un homme pieux. Il aurait été mieux choisir un des enfants qui était pieux afin d'honorer Dieu que de dire, ah, mais c'est le premier-né, je vais y laisser le royaume. Regardez ce que ça dit au verset 4. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akan, car il avait pour femme une fille d'Akan. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui était fille d'Akan. On sait que Josaphat, par relation également, était associé avec Akan. Et ça vient notre association. Nos associations, frères et sœurs, peuvent vraiment affecter nos vies. Il faut faire vraiment attention avec qui on s'associe, avec qui on s'entretient. Et c'est venu affecter au point Joram que tuer ses propres frères. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'on continue à lire, Joram a complètement changé, détourné le royaume de Juda pour faire ce que le royaume d'Israël faisait. Et ça, c'était l'idolâtrie, la prostitution spirituelle. Au verset 11, ça dit, « Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit
Judas. C'est pour ça que je dis le conseil des méchants est beaucoup plus subtil et beaucoup plus séducteur. Parce qu'il vient et il séduit les gens. Ils pensent qu'ils font des choses pour Dieu quand ce sont des choses qui sont à l'encontre de Dieu. Ça nous dit qu'il vient un écrit au verset 12 du prophète Élie disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans, dans les voies d'Assa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. » Wow! C'était pas un petit jugement. Mais il emmène le peuple de Dieu à la prostitution spirituelle, qui adorait, au lieu d'adorer l'Éternel, ils adoraient des images qui s'étaient faites de l'Éternel. Ils n'avaient pas complètement rejeté l'Éternel, mais ils ne servaient pas l'Éternel et ils ajoutaient à l'Éternel d'autres dieux comme Israël l'avait fait. Mais imaginez-vous qu'elle allait être affligée au niveau des entrailles. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu des problèmes au niveau des entrailles? Quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes au niveau des entrailles, au point que je perdais quasiment connaissance. J'étais blanc comme un drap. Des fois, on allait à l'urgence. Ils n'ont jamais vraiment trouvé c'était quoi le problème. Je pensais demander si c'était des cellules blanches qui combattaient les cellules rouges et ces choses-là. Mais pour ma part, je n'ai jamais expérimenté autant de mal dans ma vie. Mais je rame, le Seigneur a dit, tu as tellement mal que les entrailles vont sortir par force du mal. Il a souffert pendant 2 ans avant de mourir de cette plaie-là. Suivre le conseil des méchants mène au malheur. Regardez au chapitre 22, ça nous dit les habitants de Jérusalem fait régner à sa place, parce qu'éventuellement il est mort justement de cette plaie-là. Son plus jeune fils, quand la troupe venue au camp avec les Arabes, avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils ou petite fille plutôt d'Omri. Il régna dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Suivre le conseil des méchants mène au malheur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bâtir selon le conseil. Et c'est pour ça que David déclare une bénédiction pour ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. À nous, frères et sœurs, de s'assurer qu'on n'écoute pas les conseils des méchants. La vie des méchants, mais de garder les yeux fixés sur Dieu. Et je sais, parfois, on se demande, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, on dit, man, on dirait que les gens de ce monde ont l'air mieux que nous autres. Jean s'est posé cette question-là. Le psalmiste, dans le psaume 73, s'est posé la même question jusqu'à temps qu'il entre dans le sanctuaire de Dieu. Et vous et moi, on peut des fois se demander, « Bon, on dirait que les gens dans ce monde, les gens ont l'air à bien aller. » Mais Job avait la bonne réponse. Il dit, « Loin de moi le conseil des méchants. » Même si ça a l'air de bien aller, même si ça a l'air de sentir bien, je ne veux pas, je n'ai rien à voir avec le conseil des méchants. La deuxième chose que le psaume 1 nous dit, non seulement qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants,
mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, une voie qui est injuste. Comme le problème que malheureusement les Corinthiens avaient dans 1 Corinthiens 1, on a lu à partir du verset 9. Mais les trois premiers versets, Paul avait un problème avec les Corinthiens. Pourquoi? Parce que les gens se comparaient, comparaient Paul avec Apollos. Ils élevaient les hommes au-dessus un de l'autre. Et puis, ils démontraient dans leur comportement qu'il y avait de la jalousie, de la discorde. Quand il y a de la jalousie, frères et sœurs, ça va toujours mener à la discorde. Lorsqu'on démontre la jalousie des gens envers les autres, et mensuellement, ça en est le problème dans l'Église. On n'est pas pour élever, s'élever un au-dessus des autres ou élever un au-dessus de l'autre, que ce soit la personne même ou les autres qui le font. On est pour marcher dans les voies du Seigneur. Les voies des pécheurs, je crois, c'est une référence à la voie charnelle. Et c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. N'êtes-vous pas charnel, n'êtes-vous pas des hommes, lorsque vous comparez, lorsque vous élevez une personne au-dessus de l'autre, lorsque vous démontrez de la jalousie face à un comparé à l'autre, et que ça amène de la discorde. Il y a des choses que Dieu est, que la parole de Dieu nous parle, et une des choses que Dieu est, c'est la discorde qui se met en frère. Les choses de la chair, même dans ce passage-là, dans le premier, dans Proverbe 6, justement, les choses que Dieu est, comme les yeux hautains, la tromperie, la violence, l'injustice, le mal, le mensonge et la discorde, lorsqu'on les compare aux œuvres de la chair, sont pas mal comparables. Les œuvres que Paul nous fait référence dans Galates 5, ces œuvres de la chair-là sont comparables avec les choses que Dieu est. Et on le sait parce que celui qui marche dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible de lui plaire. La voie du pécheur, je crois, c'est la voie qui est large. Qu'est-ce qui est large? Facile d'accès. De suivre le courant de ce monde. Le courant qui est mené par les désirs de la chair. Même dans le psaume 36, David fait référence qu'il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Ça, c'est la voie des pécheurs. Nous, on est appelés à ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. On ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. On ne doit pas s'arrêter non plus sur la voie des pécheurs. Commencer à vouloir faire, ou à contempler, à considérer la voie des pécheurs. Ou, la troisième chose qu'il nous dit, qui n'est pas une bonne façon de bâtir, c'est de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Comme je mentionnais plus bonheur, nos associations, frères et sœurs, sont extrêmement importantes. Avec qui on s'associe va déterminer souvent notre conduite. Comment est-ce qu'on va agir? Comment est-ce qu'on va bâtir? On peut soit s'encourager ou soit se décourager. Soit s'encourager à suivre le Seigneur et à bien bâtir ou soit se décourager et de faire nos propres choses. Celui qui s'assied sur le banc des moqueurs. Le moqueur dans les Écritures fait référence à l'orgueilleux, à l'homme hautain, à l'homme qui est arrogant. On doit éviter de s'asseoir en compagnie de ces personnes-là. Dans l'Église, frères et sœurs, il y a des associations qu'on doit éviter. En tant que frères et sœurs, on doit éviter certaines associations. Ceux qui sont en désobéissance, définitivement, Paul nous dit de ne pas s'entretenir avec eux. On voit ça dans le premier, on est Thessaloniciens, je crois, ou 2 Thessaloniciens 3. Dans 1 Corinthiens 5, encore une fois, Paul adresse souvent ces choses aux Corinthiens, parce que c'était une église qui, malgré qu'ils étaient sauvés, malgré qu'ils connaissaient Dieu et que les dons opéraient dans leur
vie, souvent, il démontrait plus leur désir charnel qu'il démontrait les choses de Dieu. Et souvent, c'était l'orgueil, justement, qui prédominait. C'est là qu'il nous a dit, c'est la connaissance entre, n'est-ce pas? Mais l'amour édifie. C'est aux Corinthiens qu'il écrit ça. Et les Corinthiens étaient à une place que, selon leur compréhension, l'amour ne pouvait jamais vraiment reprendre personne. Tu laissais les gens aller et faire ce qu'ils voulaient. Mais Paul dit de ne pas s'associer avec certaines personnes. Et ces personnes-là, c'était les personnes qui marchaient dans le désordre. Personnes qui ignoraient la parole de Dieu. Qui, dans un sens, se moquaient de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 5, il nous dit que les gens étaient enflés d'orgueil au verset 2. Pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas soin des relations qui étaient à l'interne. Ils ne jugeaient pas les relations qui étaient à l'interne. Et ça nous dit au verset 9, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec des débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs et avec les idolâtres. Autrement, ils voudraient sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet jugé ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Il y a des associations, frères et sœurs, qui sont offensives. Paul ici nous en parle. S'il y a quelqu'un qui dit « Je suis à Christ » et qui marche d'une certaine façon, ça nous dit de ne pas s'associer, de ne pas avoir de relation avec cette personne-là. Ce n'est pas une bonne façon de bâtir et de garder des relations avec une personne qui pourrait justement nous décourager, qui pourrait nous faire dévier, qui pourrait nous emmener à même à penser de la même ligne de pensée qu'ils ont. Ça serait de jouer à l'insensé. C'est comme il dit ici, n'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? On ne doit pas marcher en insensé, frère et soeur, on doit marcher selon le conseil de Dieu et d'éviter justement la voie du pécheur, des pécheurs et la voie des moqueurs. Parce que les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Et les coups pour le dos des insensés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les insensés, frères et sœurs, se font un jeu du péché. On prend à la légère le péché. Et ce que je trouve malheureux, c'est que souvent, de nos jours, même au sein de l'Église, on prend à la légère le péché. Des fois, on frôle, on s'attend à des choses qu'on sait fort bien. On ne devrait pas s'attendre. Et souvent, les chrétiens, même de nos jours, va se fier plus à son cœur qu'au Seigneur. Et ça, pour moi, c'est un danger. On sait que le cœur est tortueux. On ne doit pas se fier à son cœur. Même dans Proverbe 26, ça nous dit l'insensé, c'est insensé de faire confiance à son cœur. Ce n'est pas raisonnable de dire, ah, je vais faire ce que j'ai à cœur de faire. Mais c'est plutôt de faire ce que le Seigneur désire qu'on fasse. Ça nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes humeurs. Avec qui on est va affecter justement nos pensées, va affecter comment on se conduit. Comment bâtir
selon le psaume 1, regardez ce que David nous dit. C'est pas seulement les choses à éviter, c'est les choses à faire. Aussi d'éviter de marcher. On se sentir heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans le conseil de Dieu, non pas dans le conseil des hommes ou le conseil des méchants. C'est celui qui bâtit bien. Il trouve son plaisir dans le conseil de Dieu. Il reçoit, on pourrait dire, l'instruction de Dieu. Il prend plaisir à la parole du Seigneur. Ici, il fait référence à la loi qui était vraiment l'ensemble des instructions de Dieu, des directives du Seigneur. Et non seulement ça, mais ça nous dit, il la médite. Il la médite jour et nuit. Le bénéfice de méditer la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est que ça augmente notre foi. Ça augmente notre foi. On ne peut pas essayer de fabriquer la foi. La foi, c'est quelque chose que l'on reçoit de la part du Seigneur. En entendant sa parole, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus qu'on est attentif à sa parole, plus qu'on grandit dans la foi, plus qu'on a ses directives et la façon de la recevoir, c'est de méditer, de la repenser, de la mémoriser, afin qu'on puisse la mettre en pratique de jour en jour. Et les bénédictions qu'elle donne sont énormes. Ça nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est comme des temps de rafraîchissement. D'être apprivoisé, d'avoir la provision de Dieu. Et lorsque je lisais ça, je pensais justement à la provision que le Seigneur nous donne. La provision de son esprit. C'est que nous allons avoir des fleuves d'eau vive qui vont sortir de notre sein, n'est-ce pas? Des fleuves, pas juste un fleuve, des fleuves. La provision abondante de Dieu, justement, afin de faire l'œuvre de Dieu, de bien bâtir, d'être impliqué dans l'œuvre et de travailler de mieux en mieux. Cette œuvre du Seigneur. Mais non seulement ça, qu'il donne son fruit en cette saison, il y a toujours croissance. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu nous affirme de jour en jour, lorsqu'on bâtit selon le modèle qu'il nous donne. Ce n'est pas d'essayer d'être fort en nous-mêmes, mais c'est vraiment de s'attarder au Seigneur. Retournons dans 1 Corinthiens. Premier Corinthiens 3. Il nous dit clairement car le jour, verset 13, le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ça va être mis au test, frère et sœur. Tout ce qu'on on fait, tout dans ce quoi nous sommes impliqués, le Seigneur va le mettre à l'épreuve, va le mettre au feu. Comme dans le psaume 1, au verset 6, je pense que c'est le verset 6. Qui fait référence. Ça nous dit au verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine.
le jour va reconnaître quelle est l'œuvre de chacun. C'est soit va avoir la reconnaissance des justes ou la ruine des méchants. Le Seigneur bénit ceux qui bâtissent selon le modèle qu'il donne, mais en même temps, il a une conséquence pour ceux qui ignorent le modèle qu'il donne. Dans Jérémie 17, ça nous dit, au verset 5, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Mais au verset 7, il nous dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. » Il y a la bénédiction lorsqu'on se confie dans l'Éternel de faire les choses selon ce que l'Éternel nous demande, de bâtir avec les matériaux qu'il estime comme étant importants. Les matériaux qui vont demeurer, qui durent, et non pas des choses qui sont périssables. On va terminer dans Proverbe, au troisième chapitre. Il est important de faire confiance au Seigneur. Parce que c'est là où est la bénédiction. Proverbe 3, verset 5, ça dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il atteindra tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Lorsqu'on bâtit selon les consignes du Seigneur, selon les instructions du Seigneur, il y a la bénédiction. Il y a ces promesses qui nous gardent continuellement, qui sont devant nous et qu'on puisse s'attacher à ces choses-là. Alléluia. Fait que mon encouragement ce matin, frère, c'est de bâtir selon les consignes du Seigneur, à s'attachant à sa parole, à s'attachant à son esprit, à s'attachant à lui, en se confiant en lui. Et plutôt que de se confier en nous-mêmes. Parce qu'on sait que le jour vient lorsque nous allons avoir à rendre compte, chacun de nous. Amen. Amen. Je vous remercie.